Have you ever wondered what you are going to do if you ever have to move in a place where it's impossible to install antennas? With the aging population, unfortunately, this is the fate reserved to many amateur radio operators that will have to cease their operation after a change in their lives. The story today will demonstrate how technologies and friendship has changed that fate for one amateur radio operator. I proudly present you the story of the DXer and the technician. Ça peut pas se décrire en un mot. C'est toute une vie, là. Alors, ça fait depuis 34 ans que je suis radioamateur. 1982, c'est ça. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai rencontré des amis. Je me suis fait des amis. Et c'est devenu un deuxième monde pour moi. Ce que j'aime le plus, c'est faire du DX. Je suis un DXer. J'aime aussi parler avec des amis. Rideshow sur 80 mètres, par exemple, là, dans les réseaux. Et d'essayer de communiquer le plus loin possible. Ça fait que quand j'en pogne un quelque part en Australie ou sur une île déserte dans ce bout-là, c'est très... Là, l'adrénaline commence à monter pour faire le DX. Modifier des appareils, faire fonctionner des appareils qui datent de longtemps. Je fais fonctionner des amplificateurs, je répare des appareils qui datent des années 60, 70, 80, 90. Et on est en 2016 maintenant. C'est curieux de voir fonctionner ces vieux appareils-là qui sont toujours très performants d'aujourd'hui, puis... On est toujours capable de trouver les pièces et Internet est un outil incroyable pour trouver les pièces assez facilement. Et ça peut venir de n'importe où dans le monde, des pièces qu'on trouve pour les remettre en fonction. Sur une longue période, mettons de 1970 à aujourd'hui, là, environ 150 amplificateurs de puissance linéaire ont passé dans l'atelier pour être modifiés, réparés ou les deux. Je connais Claude depuis à peu près les tout débuts de ma radio amateur, à peu près 2 ans après que je sois devenu radio amateur. J'ai eu besoin de service, disons. Et il écoutait, puis j'étais sur le réseau de 80 mètres. Puis il m'a dit « viens voir ». Fait que depuis ce temps-là, on a fait bien des choses ensemble et on... Bien des rencontres, puis bien rencontrer bien des amis aussi. Mais on avait des intérêts communs dans la radio amateur. On était tous les deux des gars d'AHF. Lui, c'était un constructeur, moi, j'étais un DXer. Fait qu'on se complétait bien gros là, là-dedans. En 2006, j'ai dû cesser mes opérations radio amateur parce que je pouvais plus m'occuper de... mon épouse qui était très malade et atteinte de la cirrhose en plaques depuis plusieurs années. Et j'ai tout vendu, démonté la tour, vendu les antennes et tout, vendu le chalet. Je voyais que je pourrais plus m'occuper de la maison toute seule. On a mis la maison en vente. Puis, ça s'est passé assez rapidement. J'ai acheté assez rapidement aussi un condo. Mon Dieu, c'était pas du tout mon idéal de vie de me retrouver en condo. Mais je l'ai fait pour mon épouse Claire, parce qu'elle pouvait venir dans le condo en fauteuil roulant. Là. C'était très accessible. Alors, c'était petit, mais vu que... Elle était en grande partie de son temps en centre d'accueil. Je l'amenais chez moi les fins de semaine. Et voilà, c'est un peu pour ça que je me suis retrouvé en condo, mais j'ai dû faire un X sur la radio amateur. Pas de radio amateur pendant 8 ans.
Claude, c'est un ami. C'est un bon ami. Notre amitié a dépassé la radio amateur aussi. Parce qu'on. Je peux le mentionner, c'est devenu. On a développé des affinités assez importantes. Ça, son épouse, Lise, s'est occupée de la mienne pendant de nombreuses années, pendant qu'elle était malade. Elle venait faire du bénévolat. Au début, chez nous, une couple de jours, semaine. Puis ensuite, au centre d'accueil. Ça fait que je dois beaucoup à Claude Élise. J'étais dans un hamfest à Laval. J'ai rencontré un autre ami radioamateur, VA2 Sierra Sierra, Jean-François. Il communiquait, il faisait du HF. Il était en train de communiquer en France puis en Europe. Là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Où est-ce qu'ils sont les antennes? Bon, ben là, il m'explique qu'avec deux petites boîtes qui s'appellent Rimotrig, il m'a dit tout simplement de façon très brève, il dit, la tête de contrôle de mon radio, le TS-480, est ici, puis le radio, il est chez moi. Il dit, entre les deux, il y a un câble virtuel. Boy! J'ai dit, c'est quoi ça? Ben, il dit, le câble qui normalement relierait la tête du radio à la partie RF, qui est chez moi, ça passe par Internet. Bon, ben, j'ai dit, j'en veux. Où c'est qu'on achète ça? Quand on a quitté la Hamfest, Claude et moi, on s'est jasé de ça. Claude, il dit, je pourrais t'aider à te remettre en onde. Ben moi, j'ai dit, comment on va faire ça, là? Ben, il dit, tu vas acheter le petit Rimotrig, puis tu vas opérer à partir de chez toi. Puis, ici, on va monter une station remote. On a vu une démonstration qui nous a vraiment allumés. Et puis, avant de voir la démonstration, on ne pensait pas que c'était possible si facilement. Et avec l'aide de Jean-François, on a conçu le système pour pouvoir mettre en fonction Michel en opération sur mes antennes, mais directement de son condo et de façon complètement transparente, sans utiliser d'ordinateur. J'avais l'idée de m'acheter un ampli complètement automatique. Et j'ai vu dans la face à Claude que... Il manquerait une grande partie de son plaisir si j'installais ça ici. C'est un peu comme un défi technologique. Je l'ai vu un peu comme ça. Et entremêlé d'un rendre service à un bon ami qui ne pouvait plus faire de radio amateur depuis 6 ou 7 ans, depuis qu'il était en condo à Saint-Lambert. Lui, c'est un spécialiste de contrôle, de par son expérience de radio broadcast. Il faut dire qu'il y en a de l'expérience là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui y échappe. Alors, ça a été, je dirais pas un jeu d'enfant, mais lui, son fun, c'était de faire ça, de monter ça. Puis moi, mon plaisir, c'est d'opérer. Fait que lui, Claude, une fois que les affaires marchent, que tout est en ordre, puis qu'il voit les boutons, les lumières allumées, puis les meters se promener, il est heureux. Alors, le système Rimotrig a répondu à nos besoins. Et faut souligner le travail de Jean-François qui a été disponible pour tout nous programmer le système. Et moi, je me suis occupé du contrôle pour que ça puisse commuter les antennes, commuter les amplis linéaires et permettre à Michel de fonctionner remote automatiquement sur toutes les bandes HF de 160 mètres aux 10 mètres. C'est l'avantage d'ici, il peut aller sur une bande ou l'autre, et dépendant qu'une bande est fermée, que l'autre est ouverte, est meilleure, il peut changer de bande comme il le veut, à distance, et tout se fait automatiquement. Le fait que ça fonctionne automatiquement, bien, ça élimine beaucoup de possibilités d'erreur. Alors, il ne peut jamais se tromper d'antenne, il ne peut jamais se tromper d'amplificateur, tout se fait, cette sélection-là se fait automatiquement. Et est un peu asservi au TS-480 de Kenwood.
Le projet a été monté comme ceci, c'est qu'on monte un ampli par bande. Puis, on a commencé par 40, 80, et ensuite est venu le 20 mètres, avec un Henry du 3KA. 23 jours après, au mois d'avril, on était en opération et j'ai fait mes premiers QSO sur 40 mètres. Et là, le fun était pris, puis c'est vrai, là, je pouvais opérer. C'est indescriptible le plaisir que tu peux avoir à opérer remote comme ça. C'est pareil comme si j'étais là. J'avais mon radio, les boutons. Le partage de la station avec Michel, c'est qu'on ne se nuit pas du tout. Moi, je suis plus bricoleur, je suis plus développeur de systèmes de contrôle et c'est le défi technologique. Michel, c'est plutôt l'opération. C'est un DX-man et puis il cherche à faire le plus de contacts possible et puis à communiquer le plus loin possible à différentes heures. Alors, il n'y a pas de conflit d'horaire. Michel en fait beaucoup dans la journée, au moment où moi je bricole dans l'atelier. Le début de soirée, c'est moi qui en fais. Puis, en fin de la soirée, vers 10 heures, normalement, on va se coucher, les et moi. Ben, Michel, lui, prend la relève et 10 heures à 2 heures du matin, il fait du DX sans que ça nous dérange du tout. Alors, c'est un partage qui vraiment ne nuit ni à l'un ni à l'autre. C'est que les antennes, Michel les utilise quand elles sont disponibles. Et moi, quand je ferme mes radios, je commute mes antennes vers le système remote de Michel. Donc, il n'est pas obligé de me téléphoner ou de faire une action spéciale pour se mettre en fonction. Alors, ça ne nécessite aucune intervention humaine ici dans la maison. On peut être absent 2, 3 jours de notre résidence et Michel fait de la radio de son condo sans aucun problème. Here's the Voici equipment used by l'équipement Michel Victor Echo 2 Oscar réutilisé Victor, par Michel V2 operating from his condo in Saint Lambert. The description of the equipment is as follows. The radio is a TS-480SAT from Kenwood, which was the simplest to use remote 3 years ago. It is connected to a band decoder that detects which frequency is the radio. It switches to the different antennas and switches to the different power amplifiers for each band. The remote station can be used at full legal limits, 1500 watts of output if necessary, for 160 meters to 10 meters, using a log periodic from 10 to 20 meters, and using an inverted V for 160, 80, and 40 meters. So that's pretty much the equipment. There is another device here, the web switch on top. This switch the remote station of the antenna and the fixturous charge or the dummy load for testing, and it can turn on and off the amplifier. Michel can operate from 100 watts or 1500 watts depending on the propagation condition. The unit here determines the switch, the various power amplifier. Then on 160, 80, and 40 meters, we use a Yole, used TNC. It's an old auto-tuning commercial amplifier that has been completely modified to suit our need. And it used 2-3-500Z tubes. On 20 meters, we use this one here, which is an Henry 3KA. It also provides 1500 watts of power. Right now, I simulate an automatic switching manually right here. Now on 17 and 12 meters, this SB220 amps here is completely modified to run 17 meters on 12 meters and 12 meters bands. All other bands have been removed. We now switch to 15 meters. Another SB220, which has preset in the middle of the 15 meter bands. The last one is the SB220, which is set to 28450 megahertz. This completes the installation review, as you can see. Ça complète un peu l'installation, comme vous pouvez voir.
The antenna on top of the towers is a log periodic T8 from Tenadyne. It covers from 14 to 30 megahertz, so 10, 12, 15, 17, and 20 meters. For 160, 80, and 40 meters, we use a dipole antennas in inverted V. The tower is self-support and it's made by Trilon. It is of 56 feet in height. It is located at around 150 feet from the house. We use an underground Iliax coax cable, 7-8 tick. It's a LDF5 type to connect the antennas to the house. At the bottom of a tower, there is a remote coax switch to switch antennas. Now let's go to Michel's QTH. He lives in an apartment building on the third floor. Michel's home is located at about 16 miles from Claude's house. Okay, thank you for the 5 and 8. Now, at Claude's house, there is a box called the web switch that I control here from my computer. I can turn on the antenna at a distance and turn on the amplifier, turn on and off the amplifier. And I can see everything that I do from here. I can put it the amp on and select the antenna and make the antenna turn. So you can see now it's going up, north. And now we'll go in Japan direction around 335 degrees. Je comprends pourquoi Claude est si fier de dire que j'ai fait 200 pays et plus depuis que j'utilise le système remote ici. C'est parce que lui, il voit que tous les efforts qu'il a mis à monter cette station-là, ça donne ces résultats-là. C'est ça. Dans mon cas, pas d'Internet, pas de radioamateur, parce que je ne pourrais pas opérer en condo chez nous. J'ai pas le droit de mettre un bout de broche, le plus petit soit-il. La radioamateur, pour moi, c'est la communication, l'entraide, rencontrer des amis, se faire des amis. C'est un passe-temps. Je peux pas me passer de ça, moi. Ça fait partie de ma vie. De mon côté, ben c'est un peu la même chose. Quand je travaillais pour gagner ma vie, bien c'était un complément. La radio amateur m'a aidé énormément dans le travail que je faisais. Je travaillais en radiodiffusion. Alors, en arrivant dans ce domaine-là, j'avais déjà vu des émetteurs et ça l'a énormément aidé. Et maintenant, à ma retraite depuis plus de 4 ans, bien, ça meuble énormément ma retraite.
toujours du plaisir à travailler des appareils et rendre service à d'autres amateurs. Et aussi communiquer avec de bons amis. Il n'y a pas de mots pour décrire la satisfaction d'être radioamateur et de... J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est extraordinaire. On recommencerait demain matin. Beau projet.